Chapitre 116 1773 à Monsieur Marmontel, mon très aimable successeur de la France, historiographe, votre indigne prédécesseur attend de vous son épitaphe. Au bout de 80 hivers, dans mon obscurité profonde, enseveli dans mes déserts, je me tiens déjà mort au monde, mais sur le point d'être jeté au fond de la nuit éternelle, comme tant d'autres l'ont été. Tout ce que je vois me rappelle à ce monde que j'ai quitté. Si vers le soir un triste orage vient ternir l'éclat d'un beau jour, je me souviens qu'à votre cour, le temps change encore davantage. Si mes pans de leur beau plumage me font admirer les couleurs, je crois voir nos jeunes seigneurs avec leur brillant étalage. Si mes coqs d'Inde sont l'image de leurs pesants imitateurs, de vos courtisans hypocrites, mes chats me rappellent les tours, le renard, autre chat timide, se glissant dans mes basses-cours, me font penser à des jésuites. Puis-je voir mes troupeaux bêlants qu'un loup impunément dévore, sans songer à des conquérants qui sont beaucoup plus loups encore? Lorsque les chantres du printemps réjouissent de leur accent mes jardins et mon toit rustique, lorsque mes sens en sont ravis, on me soutient que leur musique cède au bémol des Monsigny, qu'on chante à l'opéra comique. Quel bruit chez le peuple helvétique! Brionne arrive, on est surpris, on croit voir Pallas ou Cypris, ou la reine des immortels, mais chacun m'apprend qu'à Paris, il en est sans presque aussi belle. Je lis cet éloge éloquent que Thomas a fait savamment des dames de Rome et d'Athènes. On me dit, partez promptement, venez sur les bords de la Seine, et vous en direz tout autant, avec moins d'esprit et de peine. Ainsi, du monde détrompé, tout m'en parle, tout m'y ramène. Serais-je un esclave échappé qui tient encore un bout de chaîne? Non, je ne suis point faiblessé pour regretter des jours stériles, perdus bien plutôt que passés, parmi tant d'erreurs inutiles. Adieu, faites de jolis riens, vous encore dans l'âge de plaire, vous que les amours et leur mère tiennent toujours dans leurs liens. Nos solides historiens sont des auteurs bien respectables, mais à vos chers concitoyens, que faut-il, mon ami? Des fables.